fois, je te mets même pas 50 euros. Maintenant, je sais. La prochaine fois, c'est 100. Tu reviens. Bah, tu sais quoi, prends ce qu'il y a dans le sac. Hein. On va te retrouver. Ouais. Toi et lui, on va se retrouver. Et on vous prendra à plusieurs. Ouais. T'as compris maintenant? Ouais, c'est bien, t'es un bon tout. Vas-y, lâche-toi. Salut l'équipe, c'est Mika Lash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie, en featuring je dirais même, en duo avec le frérot Kamoff. Voilà, il est là, un featuring quoi? Et oui exactement, en featuring aujourd'hui avec le frérot. Vous avez kiffé la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble, donc du coup bah comme promis on vous en a refait. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du frérot Kamoff, il va bientôt atteindre les 1 million, allez-y les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sérieuse. Vous voyez la personne qui est à côté de moi est un lycéen qui s'appelle Enzo. On va tout simplement l'aider parce qu'il se fait voler régulièrement de l'argent par un grand à la sortie de son lycée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va avec le frérot Kamoff intervenir tout simplement pour mettre un terme à tout ça. Comme demain Enzo va sortir du lycée et que son voleur va l'attendre comme d'habitude au même endroit, parce qu'il attend toujours au même endroit, on va y aller et après on va lui tomber dessus et je pense que là il prendra une bonne leçon. On va le rendre complètement fou. Je sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas ça va se terminer qu'il va arrêter. Ça c'est clair et net. Je vous fais une petite coupure, on se retrouve demain et on se retrouve directement pour attraper ce voleur. Bon la famille, là je suis avec Enzo, il vient de sortir du lycée, donc là il va aller à l'arrêt de bus où il a l'habitude d'aller. On a regardé juste à côté, il y a son voleur qui est là en train de l'attendre. Donc écoute, je vais te laisser y aller, moi je vais rester à côté au cas où ça dérape, on sait jamais tu vois. Laisse lui prendre tout ce qu'il te demande, après t'inquiète pas avec Kamoff, on l'attrapera. Vas-y je te laisse y aller, moi je regarde de loin et j'essaye de me faire discret. Allez vas-y. Oh. Oh. Quoi? Comment? Ouais ça va, qu'est-ce que tu veux? Rappelle-moi. Ah, 50 euros. C'est moi, je les ai donnés la dernière fois, là je les ai pas. Mon père il a pas voulu me les donner. Pourquoi tu les as pas? La dernière fois je t'ai dit, demain tu ramènes 50 euros. Ouais mais mon père il a pas voulu me les donner. Comment tu veux que je fasse? Mon père il a pas voulu te donner. Moi je m'en fous moi de ton père, moi je veux 50 euros. Ouais mais... Je t'ai dit de me sortir 50 euros, tu parles pas chinois, tu me donnes 50 euros. Ouais mais bon, mon père il les a pas donnés, je suis désolé, je peux pas. Hein. Donc tu as pas les 50 euros? Ah non, j'ai pas les 50 euros. Il va falloir qu'on trouve notre arrangement hein. Quel arrangement? Je sais, hein. Tu en passes ton sac. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je m'en fous, c'est pas une chose que je m'en fais, c'est la galère, moi je veux 50 euros. Ouais, bah. C'est quoi, c'est la galère, c'est la galère. 50 euros, la prochaine fois ce sera 100. C'est la galère pour tout le monde, hein. Non, c'est une question de galère, vas-y. Bon, moi je te donne pas 50 euros maintenant, je sais. La prochaine fois c'est 100, tu reviens. Bah, tu sais quoi, prends ce qu'il y a dans le sac, hein. Allez, vas-y, tu es lent, allez. Ça va, t'énerve pas. Vas-y, taille-toi. Allez, taille-toi. Cache-toi dans la voiture, cache-toi, il faut pas qu'il te voit, frère. Il est, regarde, Anto, il est juste là-bas. Ah, c'est lui? Ouais. T'arrives à le voir ou pas? T'arrives à le filmer? Ouais, il est juste là-bas. Ne cours pas, il va se tailler. Non, il est en train de fouiller dans le sac. Attends, fais attention qu'il se retourne pas. Attends, parce qu'il met... T'as vu? Je suis caché par toi. C'est bon, il se retourne pas. Faut pas le perdre. Il est déjà là-bas, frère. Viens, on l'attrape. Viens, on l'attrape là-bas. Viens, on l'encercle. Viens, on lui fait genre un câlin, genre. Regarde là, comme ça. Je prends d'un côté, je prends l'autre. Oh salut frérot, ça va? Oh. Bien tranquille. Ça fait longtemps le sang. Arrête. Oh, t'avais pas vu. Oh, ça... Non. Je disais bonjour à mon collègue. Oh, laissez-moi tranquille, faut que je me souvienne. Comment? Ça va frérot? Ouais, bien tranquille, ça fait longtemps frère. C'est plaisir de te voir mon frérot. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh. On se connaît? Oh frère, ça fait trop plaisir! Ah frère, attends, viens voir deux minutes frère. On se connaît pas, pourquoi tu cries? On se connaît pas? Ben non, excuse-moi frérot. Mais si, maître Gims. Non, maître Bims. Ah oui. Pims. Oui, comme les gâteaux, les Pims. C'est toi? C'est toi. Bah ouais. Ouais. Mais c'est pour ça on se connaît. Mais t'es qui toi? Bah lui c'est qui? C'est ton collègue? C'est mon pote, ça va gros? Non, on se connaît pas. Je te connais pas. Comment on se connaît pas? Je te connais pas. Ah, tu fais le mec. Je joue pas. Attends frère, 2 minutes. Ah frère, attends 2 secondes. T'as pas du feu frère? Pas 5 euros frérot. J'ai pas d'argent moi. Non. T'as pas du feu frère? J'ai pas d'argent. Mais si frère. Tu veux fumer une cigarette? Ouais. 5 euros moi, j'achète 5 feux. Oh, t'as pas une garo frère? Ouais. Ouais. Une blonde de sang. Vas-y le sang, merci. C'est quoi votre problème là? Putain, il est... Ah, il est jdid, hein, voilà. Oh, vas-y, doucement. Oh, il est trop jdid, frère. Oh, la tête de ma mère, il est trop jdid, frère. Oh, vas-y, je le garde. Vas-y, que je me raconte. Non, c'est bon. Je le garde, frère. Vas-y, que je me raconte, vas-y. Qu'est-ce qu'il a, ton collègue? Mais c'est pas mon collègue, lui. Hein? C'est un mec connu, c'est le mec qui fait la musique. Maître Pims. C'est celui qui fait... Elle répondait au nom de Belle, là. Vas-y, demande mon briquet. Demande mon briquet, là. Appel, là. Voilà. Vas-y, demande mon briquet. La paella, ouais, c'est vrai, ouais. Demande mon briquet. Quel briquet, frère?
Le briquet, je l'ai passé. Mais tu vas pas passer de briquet, frère. Ouais, les 5 euros. Arrête de me dire que je t'ai pas. Oh, les 5 euros que je t'ai passé, tu peux me les rendre, s'il te plaît. Oh, je te connais même pas, toi. Non, rends-lui ces 5 euros, frère. Je sais pas, c'est le problème, toi. Vas-y, je rigole pas. Vas-y, donne-moi mon briquet. Quel briquet, frère? Y'a pas de briquet. Ah, j'ai là ton collègue, il est malade, lui. Hein. Ah, va te faire soigner. J'ai mal à la gorge, j'entends pas. Va te faire soigner. C'est pas mon collègue, je te dis. Vas-y, donne-moi mon briquet. Mais j'ai pas ton briquet. Et vas-y, frère. Casse-toi, toi, donne-moi mon briquet. Arrête, on va arrêter. Oh, attends, mais. Oh. Ouais. Ah, tu vois qu'on se connaît. Ah, ouais, c'est vrai, je me rappelle maintenant. On se connaît, je sais, ça me saoulait, ça. De quoi? Quand tu dis, ouais, je te connais pas et tout, moi, après, je suis. Tu vois, après, ça me fait de la peine. Frère, on va casser un tête maintenant, là. Vas-y, vous battez pas, je veux juste mon briquet, moi. Maintenant, on va casser un tête. Attends, toi, tu vas te mettre de côté un peu. Vas-y, dégage, casse-toi un peu. On va casser un tête maintenant. Et celui qui gagne, il a le briquet, c'est bon ou pas? Celui qui gagne. Ouais, ça, retourne. Ça, c'était plutôt. Tiens-lui, attends. Vas-y, on casse un tête maintenant, frère. Vas-y, prends ta truc, toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais. Donne-moi mon briquet, ouais. je vais m'énerver. Je vais recrier encore, après je fais des crises. Je vais m'énerver, frère, donne-moi mon briquet. J'ai pas ton briquet, frère. Comment ça, t'as pas mon briquet? J'ai pas ton briquet, frère. Moi, j'ai pas pris mes cachets ce matin. D'accord, j'ai pas pris mon cachet pour la schizophrénie. Tout ça. Oh, qu'est-ce que tu pris pour qui, toi? Parce que là, je me crois dans le monde de Narnia, tu vois, et je vais te chasser comme un dragon si tu continues. Y'a pas de dragon dans Narnia. Y'a pas de dragon dans Narnia. Si, frère. Y'a des dragons. Y'a le dragon. C'est plein de dragons. Mais si. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi mon briquet. Mais si, le dragon avec la crinière là. Le roi de la jungle. Oh, frère, ça va ton sac? Ouais. Toi, tout à l'heure, je t'ai vu. T'as récupéré le sac à un collègue. C'est mon pote, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je l'ai vu tout à l'heure à l'arrêt de bus. On s'est vu, tu te rappelles? Oui, je t'ai vu, je m'en rappelle. T'as récupéré le sac à ton collègue? Ouais, c'était mon collègue, ouais. Ah ouais? C'est ton collègue? Ouais, c'est mon collègue. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Bah parce que tu me fais enlever la veste, après je me gèle des. J'ai froid, après je tombe malade, et après qui c'est qui va me soigner? Ah, c'est Mika? Non, Mika il vient pas, c'est pas vrai. Mais frère, la dernière fois je t'ai pas soigné, frère. Je porte le sac à sa mère. Attends, on règle les problèmes. La dernière fois, frère, la dernière fois, pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, je l'ai soigné. Ah ouais, après, pendant 30 minutes, je l'ai soigné. Tu crois qu'il m'a fait du bien? Écoute la voix que j'ai. Et c'est pas ma faute, il est épais, frère. Il est épais, j'y peux rien. Parce que je mange trop gras. Voilà. Ah bah t'amènes quelqu'un d'autre la prochaine fois. Moi je suis désolé, j'accepte pas. Après je tombe mal là, tu vois, j'en ai. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que tu veux le soigner un peu ou pas, frère? Je m'en fous, vous prenez pour une. Donnez le jus de. Il y en a dans la pharmacie, va en prendre ce. Donne-moi mon briquet. Mais j'ai pas ton briquet. Frère, j'ai pas ton briquet, frère. Donne-moi mon briquet. Je vais m'énerver là. Vas-y, donne-moi mon briquet. Il va s'énerver là. Il va s'énerver? Mais il est pas déjà énervé? Je croyais. Non, là, je suis pas énervé là. Tu me connais pas, moi. Moi, tu me connais pas. Non, mais il a raison. Je le connais pas. Bah non, je sais que donne-moi mon briquet. Je sais que je te connais pas. Donne-moi mon briquet. Arrête toi, arrête de faire des bruits bizarres, arrête. Ah, tu me fais mal aux oreilles là. Frère, mais tu viens d'où toi? Hein? Moi je cherche pas à savoir d'où je viens, moi. Ouais? Moi je cherche pas à savoir d'où je viens, moi c'est chaud, moi. Je sais pas ce quartier d'où je viens. D'où je viens? Ouais, c'est chaud là-bas, frère. D'où je viens? C'est pas d'où je viens. Non, frère, je suis désolé. Je suis désolé. Tu viens d'où je viens, frère? Ouais, il vient d'où je viens. Non, frère, oh, je suis désolé. Je veux pas de problème avec les mecs d'où je viens, frère. D'où je viens? Ah ouais. Non, je veux pas de problème avec eux, frère. Ah, frère, non, s'il te plaît. C'est ouais, bon, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. T'as vu, je viens du quartier d'où je viens, t'as vu? C'est un quartier tarmé chaud. Ouais. Tu veux pas que je. Oh, tu sais pas qu'est-ce que je fais quand je m'énerve? Si tu bégayes. C'est ça le truc que tu fais quand tu t'énerves? Comment il s'appelle le mec dans South Park qui bégaye là? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le briquet. Tu vas porter des sacs lourds? Donne-moi le briquet. Attends, c'est le quartier, c'est pas d'où je viens donc. Ouais, j'avais oublié, frère. Non, tu viens vraiment d'où je viens? Moi je sais pas d'où je viens, mais lui il vient d'où je viens. Ah non, mais d'où je viens, frère, tu sais les quartiers nord de Marseille, frère. Vas-y, tu sais quoi, vous voulez jouer à ça, vas-y, je décontacte. Je sais pas d'où je viens, je sais d'où il vient d'où je viens. Ouais. Moi je sais pas d'où je viens, et toi non plus tu sais pas d'où je viens, mais on sait d'où il vient. J'appelle. Non, frère, j'appelle pas, c'est bon. Regarde bien. C'est bon, C'est bon, frère, je te rends ton briquet. C'est bon, raccroche. Vas-y, raccroche, j'ai pas de problème. Mais raccroche d'abord. Je veux juste le regarder une dernière fois. Range le téléphone. Ouais. Attends, regarde. Range le téléphone. C'est bon, regarde.
Vas-y, au revoir, 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 au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, c'est bon, c'est bon, tiens, tiens, non, tiens, tiens, non. Tiens, tiens, le briquet. Non, je les appelle. Mais pourquoi tu veux les appeler, frère? Je les appelle. Je comprends plus rien ce qu'il dit, frère. Je t'appelle, moi. Non, c'est bon, tiens, tiens, tiens. Comment ça? Je peux allumer ma clope, s'il te plaît. Non, non, y'a pas de cigarette, y'a rien, y'a pas de clope. Vas-y, laisse-moi partir maintenant. À cause de toi, faut que je ramène le sac du petit. T'as vu mon collègue, y'a sa mère, elle attend le sac, faut que je le ramène. Je peux juste allumer ma clope. Et après, on te laisse tranquille, frère. Vas-y, sors une cigarette, je te l'allume moi. Vas-y, je... Sors une cigarette, je te l'allume moi. Non, tu vas me brûler. Tiens, tu veux une cigarette? Ouais. Tiens. Sors une cigarette, je te l'allume moi. Attends, ben, c'est bon, il me la sort. Merci. Vas-y. Une cigarette, ça? C'est une cigarette. Non, attends, attends, non. Vas-y, donne-moi mon... Allez, vas-y, vas-y. Ah, c'est une cigapile. C'est une cigapile, tu connais pas? C'est générateur à particules phytrogènes. Oh, les deux, là. Je vais mettre une patate. Bah, on passe ça dans ton quartier, frère. Je vais vous mettre une patate. C'est une cigarette électronique. Mais c'est de la peufra, frère. Ça t'arrache le cerveau, frère, ça. La tête de ma mère, ça t'arrache pas le cerveau la dernière fois, tu te rappelles? Moi, j'ai fumé ça la dernière fois, après je me suis retrouvé à l'hôpital. Eh ouais, frère, ça t'arrache le cerveau. J'ai fait une batterie. Tu connais pas ça? Ça vend pas ça dans ton quartier? Ah, ça vend pas ça d'où je viens? Vas-y, non, ça vend pas ça. Bah, c'est bon, merci, j'en ai plus besoin maintenant, frère. Oh mince, oh non. Oh non, non, qu'est-ce que j'ai fait, frère? Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu l'as acheté le briquet? J'ai déconné. Tu crois que c'est toi? Non, j'ai déconné. Tu crois que c'est toi? J'ai déconné. Oh, tiens, je vais t'en mettre un. Calme-toi. Calme-toi. On me paye le briquet, tu vas me payer. C'est bon, calme-toi. Non, mais non, c'est pas la peine d'en arriver là. C'est pas la peine d'en arriver à la violence. Casser le briquet, moi, t'as vu? Casse-lui la bouche, t'es plus grand, toi. Vas-y. Maman, tu vois pas la taille que je fais? Vas-y! Non, vas-y, t'entends plus, il a cassé le briquet! Mais je fais 1m50, frère! On tape à deux! Vous allez me taper à deux là? Vas-y, viens, on prend à deux, viens! Non, vous allez pas me taper à deux! Ouais, non, je te laisse faire! C'est pas cool! Vas-y, j'appelle les mecs de mon quartier! Non, c'est bon, frère! J'appelle les mecs de mon quartier! C'est bon, frère! Ah, c'est bon? J'appelle les mecs de mon quartier! Regardez, je vais ramener le quartier sur votre tête, ils vont vous défoncer! On va venir chez vous, on va vous défoncer! C'est quoi, tu es maçon? Tu vas nous ramener les bâtiments et tout sur la tête? Moi, je parle pas, j'agis, frère! Moi, je parle pas, moi! Mais depuis tout à l'heure, tu parles, frère! Ouais, mais regarde, là, j'agis maintenant! Mais non, t'es en train de parler là encore, là! Oh, frère, vas-y, faut que je te dise un truc sérieux! Attends, il va te dire. Voilà! C'est bon, attends, voilà, maintenant il t'a. Voilà, il t'a expliqué, frère, en gros. Bon, maintenant, c'est moi qui vais t'expliquer, frère. T'as vu, regarde. Je vais t'expliquer un truc, on va aller tous les deux là-bas, on va parler. C'est bon. Comment ça, on va parler? Regarde, viens, on va là-bas. Écoute, je vais te dire là un truc, tu vois. Le sac là que t'as. Non, viens. C'est bon, viens. Vas-y, bouge pas, ça te ramène l'équipe après. Vas-y, viens, c'est bon. Je vais t'expliquer un truc, t'as vu? Genre là, en gros, en fait, depuis tout à l'heure, on se fout de ta gueule, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, déjà, avant que tu foutes ma gueule, tu vas me rembourser le briquet. Ouais. Déjà, pour commencer, moi, je m'en fous des dégâts, je fous ma gueule. Moi, j'ai joué dans les dégâts. Je m'en fous. Non, j'ai fait une. Je m'en fous, écoute-moi. J'ai fait une petite apparition. Écoute-moi, je vais t'en mettre une. Écoute-moi, je t'en mettrai une. Ouais. Moi, il y a des gains fait les shows. Moi, t'es pas d'où je viens. C'est pas d'où je viens, frère, moi. Ouais. C'est pas qui je suis, moi. Je vais t'expliquer un truc maintenant, ok? Maintenant, c'est toi qui vas te calmer. Le petit, là, que t'as pris le sac tout à l'heure, c'était pas ton collègue. C'était pas ton collègue. J'ai tout entendu. Tu sais qui c'est? C'est Enzo, il s'appelle Enzo, tu le connais très bien. Il est au lycée juste à côté. Et c'est le petit frère d'un collègue à moi, d'accord? Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, on saute ta gueule. T'as compris? On a deux. Ouais, on saute ta gueule depuis tout à l'heure. Donc tu vas avoir deux solutions. Solution 1, tu rends le sac, on veut plus jamais te revoir ici. Et si on entend parler de toi, bah, ça sera la solution 2. On va reprendre le sac et on va te monter en l'air en même temps. Moi, je préfère la solution 2. Ouais, la solution 2, moi aussi, je préfère, mais c'est toi qui choisis. Bon gars, maintenant, je vais te rendre le sac, t'as vu, je vais te rendre le sac. Ouais. Voilà, mais regarde bien toi, je vais revenir, tu viens avec ton collègue, vous êtes venu à plusieurs, vous avez voulu me faire les gros. Donc regarde, t'es que je vous laisse rigoler. Je vais te rendre le sac, frérot. Ouais. Je vais te rendre le sac. Merci, frère. Mais sache un truc, on va te retrouver. Ouais. Toi et lui, là, on va te retrouver et on vous prendra à plusieurs. Ouais. T'as compris maintenant? Ouais, c'est bien, t'es un bon tout. Vas-y, lâche-toi. Bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais gentil, hein. J'étais vraiment gentil. T'as de la chance qu'il était là. T'as de la chance, il y avait mon collègue, frère. Oh, le téléphone, il est éclaté. Je te mets ça en courant, je